de mes nombreuses pérégrinations sur cette terre, j'avais tant à dire sur les pères imparfaits et les fils imparfaits, sur le deuil et l'amour. J'ai appris qu'il existait des esprits ancestraux, et s'ils ne se mêlent que rarement des affaires des hommes, parfois, ils interviennent. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire que vous croyez sûrement connaître, mais... en fait, non. L'histoire... du garçon de bois. Où suis-je? J'ai l'impression que tu es déjà venu ici. Le garçon de bois à qui l'on a prêté une âme. Sois son fils. Baigne ses jours de lumière. Tu t'appelleras Pinocchio. Mais quelle journée!